Voilà Gordon, on est encore à la recherche de Robert. Alors, je vais regarder un petit peu ici. Excuse me, are you Robert? No, I'm not. Bonjour à toutes et à tous, re-bienvenue dans Flashback épisode 2, une nouvelle soirée historique pour le football belge. Le club de Bruges, après leur victoire face au Bayer Leverkusen la semaine passée, a de nouveau remis le couvert face à Porto. Quelle soirée, quel match! On y va. Porto, c'est important, pénalty pour le club de Bruges. Ah oui! Oui, il a raison! C'est goal! C'est goal! C'est le but de Sola! Ouais, pas mal! Allez, troisième! Véritable exploit pour le club de Bruges qui réalise donc un 6 sur 6. Notre duo Kalilou Fadiga avec Marc Delire était présent sur place et eux aussi ils nous ont offert un petit peu de magie. Oui, Gordon, c'est une soirée absolument incroyable, historique. On aurait pu parler de choses dingues ce soir. Le petit pont de Sylla. Oser. Jutta qui fonce comme un malade, chercher le ballon, dire à Vanake, je choque le truc, c'est moi qui l'aurais. Non, ce qu'on a voulu. Ressortir, Kali. Illustre véritablement. Ah oui, c'est la magie. On a changé d'endroit, mais on est magique, comme le club de Bruges d'ailleurs. Il était magique, oui. Non, mais qui illustre bien tout ce qu'on avait envie de voir et tout ce qu'on a vu. C'est cette fameuse phase qui se termine par le poteau de Nedica. Mais avant ça, c'est toute la construction en une touche de balle sur la déviation. Et puis bien sûr, cette prise d'information en une fraction de seconde de Vanaken qui la glisse subtilement. Mais quelle passe, mais quelle passe. Le Graal, ça aurait été vraiment que Bruges marque sur cette action-là. Ça aurait été la plus belle action de la soirée ou peut-être même de la Champions League. Alors, tu as vu derrière, là, ça commence. Hein, les débats à la télé, tu as vu la tronche qu'ils ont. Alors, boum, à la là, c'est terrible. Pour une fois qu'on a le beau rôle, on va pas s'en priver. Il est en forme notre duo, merci Kalilou, merci Marc. S'il y en a qui se réjouissent à juste titre, Karl Hufkens nous a un petit peu surpris avec son sang-froid et son calme hors du commun. Allez, trêve de plaisanterie, bravo pour cette magnifique victoire, coach. Petite statistique intéressante également, après la semaine passée et le but de Sylla, un nouveau jeune a marqué les esprits, Antonio Nusa, a battu lui aussi des records de précocité. Il a inscrit cet ultime but à l'âge de 17 ans et 149 jours, il se classe donc deuxième, juste derrière un certain Ansu Fati, et juste devant Peter Ofori, mais ça remonte déjà à 1997. Et puisque l'on parle d'Ansu Fati, il a joué quelques minutes dans ce match qui opposait le Bayern et le Barça. Un match évidemment qui remémore des bons et des moins bons souvenirs. Müller, Lewandowski, la frappe. Zic maintenant, la frappe. Gnabry, la frappe. Il est fort devant le but. Ce petit ballon. Coutinho. Coutinho, mais c'est pas possible. C'était également l'occasion d'effectuer des retrouvailles entre Robert Lewandowski et son ancien club. L'occasion donc de retrouver des équipiers avec qui il plantait encore des buts il y a de cela quelques mois. Der Sadio, der hat mir die letzten 10 Tage schon immer scherzhaft gesagt, ich soll auf keinen Fall dann aus Versehen mal den Ball zu Levi spielen. Sur place, Quentin Wolver et Alexandre Teclac en ont profité pour essayer de le retrouver afin de lui demander comment il se sentait avant ce retour au Bayern Munich. Salut Gordon, ben voilà, on vient d'arriver à Munich et on cherche Robert Lewandowski. Alex, tu l'as vu quelque part? Non, pas encore, on pensait qu'il serait dans cette cabine, mais il n'est pas là, il n'est pas dans cette cabine, Quentin. Bon, on cherche Robert, mais bon, on n'est peut-être pas très loin, parce qu'il y a Müller là derrière nous. Thomas, mais ils jouent plus ensemble. Ils jouent plus ensemble, ouais. Ah oui, c'est vrai. Excuse me, are you Robert? No, I'm not. Michael Laudrup en guest star sur Flashback, si c'est pas beau ça. Ce n'est finalement qu'à partir du coup d'envoi que notre duo a retrouvé Robert Lewandowski, mais il n'était clairement pas dans son meilleur jour. L'Allemand n'a pas été aussi efficace que d'habitude malgré le bon début de son équipe. Et puis en deuxième période, le Bayern reprend le contrôle coup sur coup, une première fois sur corner. Et puis 4 minutes plus tard, coup de massue de Sané. Passage de Sané, il va aller au bout, il va aller au bout, c'est 2-0, c'est 2-0 pour le Bayern. La semaine passée, le besoin de relancer un nouveau cycle avait été évoqué du côté de Liverpool. Il s'en est fallu de peu pour Jurgen Klopp. Toyota qui isole Salah, le but, l'ouverture du score. Bergwijn qui laisse, Kudu, sur ses buts, magnifique. À la rescousse, à la 88e, Matip arrive, s'élève et vient sans aucun doute sauver son coach. Ses buts, je crois. Ses buts,
Klopp soulagé. On est parti pour la soirée du mercredi, une soirée spéciale pour un club et un pays tout entier. Salut Gordon, voilà, on est ici avec Thomas, l'Etihad Stadium, magnifique stade, évidemment, un des temples du football anglais. Tu le constates, le drapeau est en berne, évidemment. Oui, c'est vrai, et on est curieux de voir l'avant-match qui sera sans doute très émotionnel. Un match avec du Belge, Kevin De Bruyne d'un côté, Thomas Meunier de l'autre, qui fêtait d'ailleurs son anniversaire. Ah non, bon anniversaire, hein. Et pour son anniversaire, Meunier titulaire, City en difficulté, à la 56e. Maintenant, oui. But de Bellingham, 4e but déjà pour lui en Champions League, et il aura fallu attendre la 80e minute de jeu pour voir la première frappe cadrée du match pour City, et quelle frappe! Et donc Dortmund perd pied et City prend vie. Extérieur du pied de Cancelo, high kick d'on ne sait pas où, but d'Alain. Le but d'Alain, mais surtout l'extérieur du pied de Cancelo. Notamment un Alain de extraordinaire dans son but et ce fameux coup du scorpion qu'il réinvente. Ouais, Thomas, tu vas le tenter d'ailleurs, hein, la prochaine fois sur le plateau du Multilane. Ouais, sans me déchirer comme j'ai pu le faire à plusieurs reprises dans ma carrière, Mathieu, je vois ton sourire, on arrête là. Notre duo Quentin et Alex continuent leur périple après avoir cherché Robert Lewandowski. Du côté du Bayern Munich, ils ont visiblement suivi la vieille dame jusqu'à la Juve et ils nous font une petite visite guidée en chanson. La Juventus perd, son rival gagne. Il avait déjà scoré la semaine passée, il a remis le couvert cette fois encore. Décalage côté gauche, le centre est bon, et Alexis, ça le marqueur pour le 2-0. Voilà le Milan AC. J'en connais un qui va avoir du mal à faire des choix le mois prochain. Bref, les Rangers ont perdu contre Naples, Chelsea a partagé malgré l'arrivée d'un nouvel entraîneur, le Real Madrid assure sans hasard et Flashback revient en octobre. À très vite.